Le manoir du quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Benoît-l'Arbre. Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale, le pique-nique historique édition 2016. Sur ce, bon visionnement! Un extrait ici, là, un peu, ouais, monsieur, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, vous autres, Barthélemy Breton, y en a-t-il que ça lui dit quelque chose, Barthélemy Breton, ouais, vous l'avez connu, non, Denis dit non, il l'a pas connu, il est trop jeune, mais, hein, Barthélemy, Elnoir, il s'appelle Noir. Elnoir Breton. Je sais pas, je l'ai jamais vu, moi je sais pas s'il est Elnoir. Mais, checkez bien ça. Juste pour raconter, vous lire qu'est-ce que lui a dit
qu'est-ce qu'il y a écrit, puis vous allez entendre une histoire un peu plus tard, vous allez vous apercevoir qu'on a pris des affaires d'une citation de ce monsieur-là pour en faire une autre histoire. Il dit, il y avait un géant nommé Colas. Hein, ça commence bien. Il venait de Saint-Martin. Il pouvait guérir de tous les maux. Un jour qu'il est allé à Québec, il émeuta toute la ville. Puis là, ben, on lui donna la chasse. Ils ont couru après. Il tomba en bas de la falaise du Cap Blanc, puis il se cassa les deux jambes. La police se précipita, croyant enfin s'en saisir, mais il se releva, fit un simagré, se rebouta les jambes, et puis il s'échappa encore une fois. Hein? Ça, c'est le bonhomme Colas Gabouré. Je parais plus petit, peut être toi. Alex. T'as dit, j'ai toujours envie de rire de toi dans le monde. Ça n'a pas changé. Donc, hey, OK, on va y aller avec une petite heure du jour, vite, pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Le mot bienvenue. Bienvenue. Hey, merci de vous être déplacé. Une belle journée ensoleillée comme ça, c'est ce que ça nous prenait. Un beau petit pique-nique intergénérationnel des jeunes, des gens un peu plus âgés. C'est idéal avec Alexis, sa gang. On va passer certainement une belle journée. Moi, j'aimerais remercier, on a des collaborateurs, la MRC, Beauce-Artigan, Conseil économique de Beauce, le Conseil de la culture Beauce-Artigan et Culture et communication Québec. C'est grâce à eux qu'on a la chance d'avoir Alex avec nous aujourd'hui. Une belle gang de collaborateurs. Pour ceux qui n'auraient pas amené de lunch et qui... Et on va avoir, bien entendu, des petites allocutions. Aujourd'hui, j'ai trois personnes que je voudrais vous faire parler. Entre autres, Marie-Soleil Gilbert. Marie-Soleil. Je vois un super dynamique, super intéressant. Donc, merci à tous les bénévoles. Sans eux, les loisirs, la culture à Saint-Benoît, ça ne pourrait pas exister. Donc, c'est primordial. Merci beaucoup. Donc, moi, mon rôle à la municipalité, ben, c'est d'accompagner les organismes dans l'organisation d'événements, de monter, évidemment, là, les programmations en sport, en loisirs, en culture. Ça va être aussi de faire la gestion de toutes les infrastructures et essayer de dynamiser le plus possible notre belle municipalité. Donc, merci, Marc. Ça me fait plaisir d'être présente avec vous ce midi par une belle température que Saint-Benoît nous a donnée. La Société historique, au niveau de l'œuvre des terrains de jeu, se sont joints aujourd'hui pour une activité ensemble pour permettre à toutes les générations, comme était dit tantôt, de se rejoindre, de se regrouper. Fait que je félicite les organisateurs, je remercie Marie-Soleil pour son beau travail et aussi tous les bénévoles. Effectivement, alors c'est sous le bois pitou. C'est vraiment la meilleure façon de me présenter. J'en suis bien fier. J'en serai toujours fier d'ailleurs. Alors, si on parle de l'événement ici aujourd'hui, alors en premier, j'aimerais souligner alors les bien le bonjour à Madame la mairesse. Citoyens, citoyennes de Saint-Benoît, j'aimerais en premier féliciter l'organisation de la Société historique de Saint-Benoît. L'histoire, la culture, c'est l'essence même d'un peuple. C'est très, très important. C'est important de souligner notre histoire et c'est pour ça que je veux, je me permets de souligner. Touché fièrement par M. Claude Fournier, propriétaire du petit moulin assis. Deux piastres. Claude, il y a deux piastres pour son bois. OK, on a deux piastres pour partir. J'ai deux qui m'offrent trois. $3, j'ai $3, $5. OK, Paul, il m'offre $5. J'ai $5. C'est du vrai bois, du bois de Saint-Benoît, Paul. J'ai cinq, je veux six. Cinq. Cinq une fois, cinq que je veux six, cinq. Hey, vous êtes bon pour battre le député, là. Un, cinq, six, deux fois. Cinq, six. $6, c'est beau ça. OK, $6, je veux 7, $7. Monsieur Paul, il va avoir 10. OK, on a 10, la femme de la députée. 10, je veux 11 pour le beau petit bois attaché par le moulin à scie Monsieur.
OK, 10$ une fois, 10$ deux fois, 10$ trois fois! OK, merci beaucoup, monsieur Paul. Bon petit peu vous pourrez payer à monsieur Vincent, qui montait contre vous. On a des pommes, des belles pommes volées, qui nous ont été... On ne peut pas dire des pommes volées, OK, OK. Des pommes qui nous ont été empruntées, données, offertes par quelqu'un. OK, des belles pommes qui nous ont été offertes par quelqu'un qui a eu la gentillesse de les ramasser pour nous et qui nous les a apportées avec un petit pot de beurre de pommes. Si vous voulez nous montrer un panier de pommes avec un petit pot de beurre de pommes, OK, qui m'offre 2$ pour ça. 2$, 2$, OK, j'ai 2$, j'ai 3, j'ai 3$ là-bas, j'ai 3, j'ai 4. 4$, qui m'a fait 4? 4$, OK, j'ai 4$. Je veux 5, j'ai 4, je veux 5, j'ai 4, je veux 5, j'ai 4, je veux 5, 5, 5, 5. 5$. 5$, OK, 5$, c'est beau. J'ai 5, je veux 6, j'ai 5, je veux 6, j'ai 5, je veux 6, 6, 6, 6, 6, 5. OK, j'ai 6$ là. 6$, je veux 7, j'ai 6, je veux 7, 7$. 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 2, 8$, 8$, 10$, 10$, j'ai 10$ pour mes pommes avec le petit beurre de pomme, j'ai 10, je veux 11, j'ai 10, je veux 11, j'ai 10, je veux 11, 11, 10, 11, 10, 11, 11, 10, 10, une fois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'offre 11$, 10, deux fois, 10, trois fois, Madame Rachel? Vous paierez à votre fils, Madame Rachel. OK, j'ai... Ces capsules d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du manoir du quartier. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir.